s'est passé quoi exactement avant le match de Zurich? Au match de Zurich, il y a seulement 3 joueurs qui se sont permis de sortir jusque tard dans la nuit, ou bien plutôt tôt dans la matinée de samedi, c'est-à-dire Dao, Mansé et Daragi. Un des joueurs a vomi toute la nuit de samedi à dimanche, un autre est rentré 35 minutes et on ne l'a pas vu. Et puis Daragi est sorti à la mi-temps pour bronchite. Et puis depuis le jour-là, il y a eu une petite cassure dans le groupe. On a parlé plus de ces choses-là et de régler des problèmes internes que de football. Et puis les matchs en Super League, ils sont tellement serrés aujourd'hui, ça joue tellement sur des détails qu'on ne peut pas se permettre des choses comme ça. Et naturellement, c'est pour moi beaucoup d'irrespect vis-à-vis du groupe, des autres joueurs, des joueurs non convoqués, des joueurs blessés, des joueurs que j'utilise pas, qui restent sur le banc, et puis surtout des supporters qui payent cher pour voir Sion. Et puis quand on se permet des choses comme ça, c'est vraiment pas respecter le métier. Vous avez réagi comment à l'interne? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Est-ce que vous avez des discussions de groupe? Comment vous avez géré ce problème? Ça, c'est quelque chose que ça reste à l'interne. Et c'est entre le président, moi et les joueurs, et je crois que les joueurs et moi, puis on va régler tout ça à l'interne.